sincèrement, si Emmanuel Macron veut être en contact, voire à portée de baffe républicaine, il faut qu'il vienne aux grandes gueules. L'invitation a été lancée officiellement. Ah oui. On est en contact avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Il reste 5 jours, on va dire. Jusqu'à vendredi, parce que la campagne officielle s'arrête vendredi. Il reste 4 jours. Donc aujourd'hui, il ne va pas venir. Il peut venir demain, il peut venir mercredi, il peut venir jeudi, il peut venir vendredi. On aménage l'émission, il n'y a pas de souci. On prend les grandes gueules et il vient passer une demi-heure, une heure, ou toute émission s'il veut. Emmanuel Macron, s'il nous écoute, hein, les grandes gueules l'attendent parce que là, il sera en contact avec les Français. On pourra vraiment concrètement aborder tous les sujets. C'est étonnant que le président de la République ne soit pas venu sur RMC. En tant qu'employé d'RMC depuis 21 ans, je suis déçu. Et c'est la première fois, moi. Qu'on a eu quasiment tous les. À part Anne Hidalgo, on a eu tous les candidats. Moi, je suis à RMC depuis, comme Fred depuis très longtemps. C'est la première fois que l'un des deux finalistes ne vient pas sur RMC. Le général de Gaulle était venu. Pendant cette campagne. Il a peut-être peur des GG, mais il ne faut pas. Je crois pas qu'il. Non, il a peur, de rien, mais il faut qu'il vienne. Voilà. Je sais qu'il il est convaincu, mais pas complètement encore. Donc, monsieur Macron, monsieur le président. Non, on vous attend.